Bienvenue. C'est mieux quand c'est toi qui regardes. Je suis heureux d'être avec toi. On n'est pas seulement deux. On a le Saint-Esprit avec nous. Et puis ici, il y a comme une envie de louer. Est-ce que toi aussi, tu as envie de louer? Il y a un chant qui résonne dans mon cœur, juste de louange et d'adoration. Dans quelques minutes, avec Mylène Kerry, on va aussi pouvoir juste découvrir les merveilles que Dieu va faire pour Moïse. Et face au Pharaon, quelle que soit la tension sur ta vie, sache que Dieu est avec toi et il va te permettre de monter. Alors connecte-toi, reste accroché et partage cette vidéo. A tout de suite. C'est Christ qui vit en moi, j'étais mort.
vie de joie, une vie de foi dans ce lieu. Hey, come on! Peu importe ce que l'on traverse, notre joie ne doit pas dépendre de nos circonstances, mais doit dépendre de la source. Et qui est la source? Qui est la source? Hey! Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es. Jésus, tu es. Tu ne changes pas, non. Tu es ce que Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Encore. Amour. Toi qui es ici dans cette place, toi qui es à la maison, nous te disons aujourd'hui, Dieu est amour. Il t'aime, il a voulu ta naissance, il est avec toi, il veut ton bonheur, c'est une réalité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Hey, mais qu'il ait la vie éternelle. On peut le redire, Dieu est amour. À la croix, libéré, nous sommes guéris et sauvés, purifiés par son sang. Nous avançons triomphant. Le péché est vaincu, sa force a été brisée. Nous avons en Jésus acquis notre liberté. Tu l'as.
Il est ressuscité, il est vivant. Jésus est vainqueur et tout puissant. Il est ressuscité. À genoux devant toi.
J'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. Être avec toi. Je fais tomber la pluie.
du ciel. Seigneur, fais tomber la pluie, les pluies de bénédiction, ta grâce surabonde. Seigneur, fais tomber la pluie sur ma maison, Seigneur. Alléluia. Élève ta voix, chante-le là où tu es. Fais tomber la pluie. Cette pluie, c'est l'amour de Dieu. Cette pluie, c'est l'amour de Dieu qui vient couler sur ta vie. Comme une douche te nettoie le corps, cette douche spirituelle d'amour de Dieu, elle vient comme une pluie et elle te fait du bien aujourd'hui. Elle te fait du bien à toi qui regarde aujourd'hui ce moment de louange. Elle te fait du bien à toi qui est présent dans cette salle. Il y a une pluie de Dieu du ciel qui vient couler et qui vient te rafraîchir et qui te fait du bien. Merci Seigneur pour ta pluie du ciel qui rafraîchit. Fais tomber la pluie. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toi qui regarde ce message. Est-ce que vous réalisez combien Dieu veut vous amener plus haut ? Dieu est le Dieu qui aime t'amener dans une dimension de liberté que certains ici, vous avez beau faire partie du peuple de Dieu, vous êtes quelque part donc des fils et des filles de Dieu, mais on garde une mentalité d'esclave. C'est comme si des choses continuent à nous lier, à nous tenir. Et c'est exactement ce qui frustre Moïse, c'est que d'un côté, il a reçu un appel de Dieu incroyable qui lui a dit « Moïse, tu es bien, quelque part, esclave égyptien dans ta tête, mais tu es également le fils de Dieu. » Et Dieu dit « Va faire sortir mon peuple de l'esclavage. » Je crois que pour quelqu'un, ce message est dédié. Il y a une dédicace de Dieu dans ce que tu vas entendre dans les instants qui viennent, parce que Dieu veut te libérer de certaines chaînes de l'esclavage. Et lorsque Moïse doit d'abord vaincre ses propres peurs, et ça on l'avait vu il y a quelques semaines, comment il a dû être préparé par Dieu pour réenflammer sa vie, parce qu'il n'y croit plus. Et Dieu t'a cherché et il t'a dit « Je veux rallumer ce feu
cette flamme en toi. Puis après, elle dit, écoute, pour vaincre tes peurs, je vais te faire toute une formation. Vous vous rappelez de cette formation que Dieu a faite à Moïse? C'était génial, tu t'en rappelles? C'est cette histoire de Krav Maga où il a dû mettre sa main sur sa poitrine et il y a eu de la lèpre et la guérison derrière. Tu te rappelles? Pareil, toi, quand tu avais peur des serpents, de toutes ces phobies, comment Dieu l'a préparé, lui? Sauf que maintenant, il va devoir vérifier si ce que Dieu a dit en théorie va se vivre dans la pratique de son quotidien. Qui peut être un petit peu honnête et dire des fois, on sort d'une célébration, on sort d'un temps de jeûne et prière, d'une réunion spéciale, d'un séminaire, on est enflammé de Dieu et on saisit la promesse. Sauf que quand tu rentres chez toi, que tu allumes la lumière de ton appartement, c'est comme si la promesse, elle est très théorique et que dans la réalité, ta vie, c'est pas ça. Il y a comme un décalage entre la promesse de Dieu et la réalité. Vous savez comment T.D. Jakes appelle cette différence entre la promesse et la réalité? Il appelle ça le process. Il y a tout un process entre ce que tu vis et la promesse de là où Dieu t'amène. Et du coup, regardez ceci. Moïse, et je parle à toi qui regardes ce message, il y a des Moïse au féminin aujourd'hui, des Moïse masculins, ça va tirer. Parce que d'un côté, le pharaon va vouloir te retenir et d'un autre côté, Dieu veut te faire monter. Et ça, ça va créer une tension dans ta vie. Moïse arrive face aux responsables du peuple. Ces hommes qui dirigent Israël, mais qui depuis 430 ans sont esclaves. Et il leur dit, je vous annonce quelque chose. Dieu est sur le point de faire des miracles comme vous n'avez jamais vu. Il y en a deux qui disent amen. Dieu est, vous savez pas quoi, votre foi détermine votre miracle, les amis. Si vous n'avez pas la foi, bon esclavage. Vous pouvez en prendre pour 430 ans. Hein. La foi déclenche le miracle de Dieu. Mais la foi va créer une tension. Il y en a qui se disent, ça va péter, il va se la prendre. Ou c'est possible. Mais en vérité, dans ma vie, il y a tellement de fois où j'ai eu l'impression que Dieu m'étirait tellement, que je dis, Dieu, je vais craquer. Je ne sais pas si je peux tenir. Et Dieu essaye de m'amener vers le ciel et Satan essaye de me retenir sur la terre. Il y en a qui vivent ça. Ce message, il est pour toi. Partage ce message. Dis à quelqu'un là, il faut que tu regardes ça. Dieu va te parler. Dieu va te parler parce que d'un côté, le pharaon, à nos pieds, il nous met des chaînes. Il veut te rendre esclave. Alors, quand tu vas voir le pharaon, ça ne se passe pas comme prévu. Quelqu'un peut me lire le texte, qu'est-ce qui va se passer? Moïse, il est en feu, il est heureux parce que les anciens d'Israël lui ont dit, on croit, il y a la foi qui naît. Regardez le verset 31. Le peuple crut, yes, ils apprirent que l'Éternel s'occupait des Israélites, qu'il avait vu leur souffrance, ils se prosternèrent et ils adorèrent. Il se passe quelque chose dans la salle aujourd'hui, il se passe quelque chose devant ton écran, mais c'est encore théorique. Alors Moïse et Aaron allèrent vers le pharaon et lui dirent, voici ce que dit l'Éternel. On lit ensemble? Qu'est-ce qu'il dit? Laisse partir mon peuple. Let my people go. Ça sonne mieux en anglais. C'est cette phrase que les premiers chanteurs gospel ont chanté pour la fin de la discrimination et de la ségrégation raciale aux États-Unis. Let my people go. Il y a un temps où l'esclavage est fini. Il y a un temps dans ta vie où Dieu te dit, je te veux libre. Tu as toujours cette double identité, à la fois du peuple de Dieu et à la fois d'esclave. Dieu te veut libre. Écoute, c'est un message. Je veux que tu ailles célébrer une fête en l'honneur de Dieu dans le désert. Sauf que, plus tu prends le bâton de Dieu qui t'amène vers le haut, toi tu es le fil. Je te montre pour que tu puisses bien voir, toi tu es le fil. Satan ne va pas te lâcher. Et Dieu veut t'amener là-haut. Et entre les deux, tu vas être étiré. Est-ce que vous aimez être étiré? Vous aimez vivre la pression dans votre vie, cette tension? Écoute ça. Ce que Dieu s'apprête à élever sont d'abord étirés. Il n'y a personne qui peut aller là-haut sans avoir été étiré. Et toi, tu te demandes, mais pourquoi Dieu permet qu'il y ait une telle pression, une telle tension sur ma vie? Voici le titre que j'ai pour vous aujourd'hui. Cette tension
aujourd'hui. Cette tension que tu vis maintenant détermine ton futur. Est-ce que tu peux voir ton voisin, ta voisine? Je sais que vous n'aimez pas que je fais ça, mais quand même, je vais le faire. Dis à ton voisin, ta voisine, cette tension que tu vis détermine ton futur. Et si jamais ça ne suffit pas parce que le voisin n'était pas content que tu lui parles, tu te tournes de l'autre côté et dis, bah alors c'est pour toi. Et toi qui es devant ton écran, c'est pour toi. Cette tension que tu vis détermine ton futur. Dieu permet qu'il y ait des choses qui nous retiennent attachés. C'est bizarre ça. Dieu permet. Et le pharaon va tenir. Le jour même, le pharaon va répondre à Moïse. Qu'est-ce qu'il va répondre? Ah oui, effectivement, j'avais reçu un SMS de Dieu, il n'y a pas de problème, on s'est mis d'accord. Ouais. Mais pas du tout. Le pharaon répondit à Moïse, mais qui est l'Éternel pour que je lui obéisse à ses ordres en laissant partir Israël? Le pharaon dit, le Dieu sur la terre. C'est moi. Vous savez que le pharaon était Dieu sur la terre. Pour les Égyptiens, le pharaon c'était un Dieu. Il dit, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Je suis le roi de ce monde. Vous êtes mes esclaves et vous ne partirez pas. Et là, tu as la première douche froide. Tu sais, c'est ça que j'appelle la tension. C'est que d'un côté, Dieu te veut libre et en même temps, à la fin de la célébration, tu te rends compte que tu es encore un peu esclave. Hein, tu as prié, tu as loué, mais tu as toujours le même mariage dysfonctionnel. Tu as prié, tu as loué, tu as adoré, tu as même peut-être donné ta dîme, mais tu as toujours des enfants qui te mettent le bazar et tu ne sais pas gérer. Ou bien ton patron qui est insupportable. Tu dis, mais Dieu, je ne comprends pas, je proclame par la foi et je continue à pleurer tout seul devant mon frigo. Écoute, cette tension que tu vis aujourd'hui détermine ton futur. Accroche-toi, accroche-toi. Ne craque pas, ne craque pas. Alors, on va avoir deux stratégies. Vous êtes prêts à avoir deux stratégies? Parce qu'en fait, toi, tu es la corde et d'un côté, il y a Dieu avec son bâton et puis il y a le pharaon avec ses fers. Et toi, tu es au milieu et ça va tirer. Alors, je vous propose d'abord de voir la stratégie du pharaon. Vous êtes prêts à voir la stratégie du pharaon? Qu'est-ce que le pharaon de ce monde? Le pharaon, c'est un symbole, en fait, de ce que le mal, de ce que le prince de ce monde, Satan, a comme projet. Est-ce que tu connais l'objectif? À chaque fois que je définissais la stratégie à mes élèves, lorsque j'ai expliqué en management, qu'est-ce que c'est qu'une stratégie? Une stratégie, c'est tout simple, c'est deux choses. C'est un objectif et des méthodes pour l'atteindre. Et les méthodes s'adaptent à ta réaction. Alors, quelle est la stratégie? Premièrement, l'objectif. L'objectif du pharaon, c'est de te maintenir dans l'esclavage le plus longtemps possible et si possible toute ta vie jusqu'à ce que tu meurs. En gros, que tu vives une vie misérable dans la tristesse en ayant sans cesse le rêve de pouvoir être libre, mais une réalité qui ne l'est pas. Vous allez me dire, mais concrètement, ça veut dire quoi ça, pasteur? Eh bien, concrètement, il va essayer de mettre en place des liens pour t'empêcher de décoller vers Dieu. Alors il te bloque bien ton pied pour que tu restes sur la terre et que tu n'ailles pas trop loin dans le ciel. Il va prendre un premier type de lien. Vous savez, le premier type de lien, c'est tous les esclavages liés à notre corps. En fait, pourquoi je dis ça? Parce que quand tu lis la Bible, tu vois qu'à chaque fois que c'est sur la tentation de Jésus, ou même dans 1 Jean, il le dit, il y a trois choses, il y a trois façons pour Satan de te retenir. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. C'est pareil. Regarde ici. Ce premier lien, c'est un esclavage de la chair, un esclavage corporel. Pour certains, ça vous parle parce que ce lien s'appelle peut-être un produit, une substance qui te détruit. Tu voudrais arrêter, mais c'est plus fort que toi. Et ce n'est pas forcément du crack ou de l'héroïne ou des choses. Ça peut l'être. Mais ça peut être tout simplement, tu veux arrêter l'alcool, mais l'alcool c'est plus fort que toi. Peut-être c'est un produit, peut-être c'est même un médicament. Au début ça t'aidait, mais maintenant tu ne peux plus vivre sans. Si tu ne peux plus vivre sans, c'est que c'est un lien dans ta vie. Au début c'était juste pour avoir un moment de répit, mais maintenant c'est devenu une chaîne. Pour d'autres, ce lien corporel, c'est peut-être une chaîne dans le domaine de la sexualité. Aujourd'hui, Satan utilise tes frustrations pour te proposer des fausses solutions. La pornographie explose sur Internet. Je ne sais plus quel est le pourcentage du trafic d'Internet qui est sous forme de liens pornographiques, mais c'est juste hallucinant. Hallucinant. Et
et la pornographie, c'est quelque chose qui... les dernières statistiques montrent que 90% des hommes qui fréquentent une église ont un lien avec la pornographie. Donc c'est un truc qui est tellement commun que Satan il se dit, mais va louer, mais par contre, t'es un pauvre rien du tout, t'es un faux chrétien, parce que hier soir, je t'ai vu devant ton écran. Levez pas la main là, levez pas la main les frères, là c'est vraiment un moment gênant. Mais le pire, c'est que ton collègue que tu crois qui est super spirituel, il le fait aussi. Alors là, tu dis, mince, c'est pas possible, on est tous une bande d'esclaves. Et je me dis, Satan, il rigole, parce que à chaque fois que tu veux louer Dieu, il te rappelle que tu es un gros nul spirituel. Et là, mon cœur, il saigne, parce que je me dis, mais tu te rends compte, si tu es libre, comment tu serais bien? Comment ça te bouffe ta joie? Comment du coup, tu as... Ah! Pour certains, c'est une relation toxique. C'est pas le sexe en lui-même, mais c'est une personne qui te brise, avec qui tu traînes depuis des années, et à chaque fois qu'il t'appelle, et tu retournes, là je parle à une femme, une jeune fille qui dit, mais ce gars-là, je l'ai dans la peau, c'est plus fort que moi. Et j'ai mal pour toi. Pendant combien d'années tu vas être détruite? Et Satan, il te tient, il fait de la musique comme ça, en te voyant stressé, tendu, jamais libre. Si ça ne vous a pas parlé, la première chaîne corporelle, c'est parce que votre convoitise n'est pas dans la chair, peut-être votre convoitise, elle est sur l'autre pied, peut-être que c'est une deuxième type de chaîne. C'est les chaînes matérielles. Alors ça, c'est des péchés qui sont moins visibles, tu vois. Mais l'amour de l'argent, ne fais pas un coup de coude à ton voisin ou ta voisine, hein. Mais l'amour de l'argent, pour un héritage, des frères et des sœurs se déchirent. Pour des thunes, il y a des conflits de malades dans ton entreprise. Pour une pauvre augmentation de comparaison de, tu sais pas quoi, t'es chrétienne, t'es chrétien, mais t'aimes surtout l'argent. Et quand Satan te tient comme ça, par l'argent, par la convoitise, il te tient parce qu'il sait que si tu peux pas acheter ta paire de godasses sur Zalando.fr, t'es misérable. T'as besoin de ta dose parce que sinon t'es mal. À la base, c'est pas grand-chose, mais au final, c'est un autre type de lien. Et plus t'as des liens, et moins tu peux être libre. Il y a un dernier lien qui est très pénible, c'est des liens émotionnels. C'est pas corporel, c'est pas matériel, c'est émotionnel. C'est ton âme, elle est liée. Peut-être, je parle à quelqu'un, je donne une pensée à quelqu'un. Peut-être qu'au départ, ce lien, il est venu d'un abus. Un abus. Quelqu'un sur la terre t'a blessé, t'a fracassé ton intimité, qui tu es. Et c'est passé depuis des années, mais aujourd'hui, t'as encore des séquelles, t'as encore un lien parce que t'as de la colère. T'as de l'amertume, t'as une envie de vengeance. Et tu viens louer Dieu et t'essayes de lire ta Bible. Mais à chaque fois, le matin quand tu te lèves, tu penses à ce que t'as vécu. Et depuis des années maintenant, Satan, il a comme une double façon. Non seulement il t'a blessé d'abord, mais après la blessure, il a gardé en toi un lien terrible de haine et de colère. Pour d'autres, c'est ce lien émotionnel qui vous lit, c'est peut-être des phobies de malades. Je donne cette illustration parce que moi, ça m'a marqué et j'ai eu tellement de compassion pour cette jeune fille. Un jour, c'était il y a quelque temps dans l'ancienne église, je vais dans un comptoir et là, je vois une chrétienne. Elle est belle, elle est intelligente, vraiment, elle est gâtée. Tu vois, Dieu, franchement, Dieu ne s'est pas moqué d'elle à la naissance. Il lui a fait un bon combo, tu vois. Mais je vois son visage triste. Et moi, je suis un peu pasteur et du coup, je vais voir et je dis, mais ça va et tout. Et elle me dit, je suis venu aujourd'hui, mais tu sais, comme si elle se repliait de tristesse. Je lui dis, mais t'es timide, je t'ai jamais parlé, enfin, comment tu t'appelles? Puis elle me raconte son histoire, elle dit, pasteur, j'ai une phobie. Cette phobie, c'est que je ne supporte pas la foule. Et donc, vous ne pouvez pas savoir combien ça me coûte de venir à l'église. Je ne peux pas prendre le bus. Je ne peux pas prendre le métro. Rien que l'idée d'aller faire mes courses dans un supermarché, ça me fait des tremblements. Et là, pendant quelques secondes, je me suis dit, mais quelle chaîne sur sa vie.
cette jeune fille qui a tout pour elle a sa vie gâchée par une phobie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que ça te concerne toi aussi? Est-ce que toi, tu as une phobie? Et Satan les tient enchaînés. Vous êtes des enfants de Dieu, mais vous êtes liés. Chaque fois que vous voulez monter, il vous ramène vers le bas. La méthode du pharaon, c'est terrible. Et vous savez, je vais même prendre une deuxième série de... Parce que ça, tu vois, il y a des chaînes, c'est avant ta conversion, c'est plein de péchés. Et puis après, tu t'es dit, une fois que j'ai rencontré Jésus, ça devrait aller mieux. Ouais, mais sauf qu'il te met les chaînes du légalisme. C'est des chaînes remplies de culpabilité. Parce que t'as beau être chrétien, chrétienne, t'as beau aimer ton Dieu, t'as beau aimer Jésus, en fait, à chaque fois que tu viens, tu pries pas assez, t'es pas assez spirituel, tu donnes pas assez, finalement tu devrais être autre chose, etc. Et le légalisme, ça nous détruit autant en fait. Et c'est pour ça que dans les églises, vous voyez des hommes et des femmes qui devraient être les plus heureux de la terre, mais quand ils font la tête, vous dites « je veux pas aller là-bas hein. ». Ils disent qu'ils ont rencontré Jésus, mais apparemment, ça donne pas envie, hein. Parce que vous êtes dans le légalisme. Donc d'un côté, on a les chaînes du péché, d'un autre côté, on a les chaînes du légalisme, et avec ça, mes amis, on essaye de louer Dieu. Alors forcément, ça tire. Le pharaon de ce monde veut te tenir lié. Et pour cela, il a une méthode qui est imparable. Il va te mentir. Le mensonge, c'est la méthode du diable. À chaque fois, il va te dire, tu ne seras jamais libre. Voici ce que le pharaon va dire à Moïse. Il va lui dire, tu n'as aucune chance de sortir avec ton peuple. Jamais tu seras libre. Arrête de croire. Arrête de croire. Arrête de croire que Dieu est capable. Et si jamais l'intimidation ne marche pas, il a une deuxième carte, c'est le compromis. Compromis. Le compromis, c'est quand le pharaon, en fait, il sait qu'il ne peut pas te tuer. Est-ce que vous savez que le pharaon n'a pas tous les pouvoirs sur ta vie? Tu sais, tu es esclave, mais en fait, le pharaon, s'il pouvait, il te flinguerait carrément. Parce qu'il n'aime pas ton peuple. Il n'aime pas le fait que tu appartiennes à Dieu. Et si ça tenait qu'à lui, à mon avis, Satan, il nous tuerait, quoi. Parce qu'il sait que lui, sa fin est proche. Mais comme il ne peut pas te tuer, il est obligé de négocier. Parce qu'il sait que tu as le bâton de Dieu avec toi qui te tire vers le haut. Et donc Satan, il augmente la tension, mais il ne peut pas te tuer. Alors il va te proposer des deals. Moïse arrive avec son bâton et lui dit, « L'Éternel t'ordonne de laisser partir son peuple. » Et Pharaon dit, « Non !» Alors Dieu envoie le Nil en sang. Et en un instant, la puissance de Dieu va fracasser l'Égypte. Et vous voyez, le pharaon tire vers le bas, Dieu tire vers le haut et ça va cogner. Sauf que soit tu es au milieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a de la compassion pour les fils au milieu? D'un côté, tu as Dieu qui tire et d'un autre côté, tu as le pharaon qui tire. Voici pourquoi ta vie est sous tension. Et du coup, Dieu dit, le Nil sera transformé en sang. Le pharaon dit, je m'en fous. Alors, Dieu dit, je vais faire venir des grenouilles qui vont envahir l'Égypte. Et les grenouilles envahissent l'Égypte et le pharaon dit, je m'en fous. Mes magiciens peuvent faire pareil. Moi aussi, Satan, j'ai la possibilité de faire des trucs comme ça. Alors, Moïse revient vers le pharaon et dit, Dieu te prévient que si tu ne laisses pas partir son peuple dans la liberté, j'envoie des moustiques. Bon, moi j'ai passé un été difficile aussi avec les moustiques. Rien que parler de moustiques, du coup, tu sais quand t'es en train de dormir et t'as... Je t'attrape, je te croque. C'est des petits moustiques. Un moustique, ça va. 10 moustiques, faut une raquette. Mais 1000 moustiques, ça te rend fou. Et là, ça a rendu fou le pharaon. Et quand il a vu les moustiques là, au bout d'un moment, il a dit eh, « c'est bon, je vais devoir négocier. » C'est le pharaon, je vais décrocher.
Ça vous rappelle quelque chose, les deals du Pharaon? Le banquier de ce monde a des offres à te faire. Oui, allô? Première proposition du Pharaon. Allez faire... Vous lisez la proposition, s'il vous plaît, parce que sinon, je n'ai pas envie de parler à la place du Pharaon, moi. Allez faire des sacrifices à votre Dieu, mais restez dans le pays d'Égypte. Le premier compromis que le Pharaon de ce monde va te proposer, il va dire, ok, bon, vraiment, tu veux faire la nuit de prière des femmes? Une nuit, alors. Tu fais ta chrétienne pendant un soir. Et après, t'arrêtes de me prendre la tête, tu reviens avec toutes tes chaînes. Il y a un homme qui veut vraiment... Il va te parler, il va dire, je veux bien que tu lises un peu ta Bible et t'ailles deux, trois fois par an à MLK, ça me va. Mais surtout, tu restes accro à tous les produits, d'accord? On ne change pas une équipe qui est esclave. Le premier compromis du Pharaon sur ta vie, c'est qu'il va te dire, je veux bien que tu sois un tout petit peu chrétien, un tout petit peu chrétienne, mais pas trop, tu vois. Tu restes en Égypte, d'accord? Tu gardes ta mentalité d'esclave, tu loues un petit peu Dieu. Ça parle à quelqu'un, là? Je pense que là, dans la salle, déjà, il y en a 50% qui ont déjà fait le deal. Et Moïse dit, non, non, non. On n'ira pas en Égypte. On va aller direction le désert et Canaan et on ne va pas rester dans ton pays de liens et de chaînes. Vous savez pourquoi c'est un traquenard? Là, je suis désolé, je vais creuser un petit peu, je vais faire un peu d'histoire. Vous savez, ok, si on fait un petit peu d'histoire, tu te rappelles tes cours sur l'Égypte en 6e, Égypte ancienne? Pour ceux qui sont en France, le programme de 6e, c'est l'Égypte ancienne. Pour vous qui regardez, je ne sais pas quand est-ce que tu as appris l'Égypte ancienne, mais en Égypte, vous saviez qu'ils étaient polythéistes. Et donc les Égyptiens, en fait, avaient dans les hiéroglyphes, à chaque fois qu'ils voulaient représenter un dieu, c'était au travers d'un animal. Parce que les dieux correspondaient aux animaux et ils adoraient les animaux. Eh, regardez-le, c'est un traquenard ce que Pharaon propose à Moïse. Et Moïse s'en rend compte parce que le Pharaon lui dit, va faire des sacrifices. En gros, ils font des sacrifices de quoi? Ils font des sacrifices de brebis, de moutons en fait. C'est des bergers les Hébreux comme Moïse. À votre avis, c'est quel animal qui est représenté par... le bélier représente quel dieu? C'est le dieu Amon. Et là, tu as tes cours de classe à qui te reviennent, les cours d'école, là, où tu te rappelles que les pharaons, ils appelaient, ils se mettaient un nom et à la fin, clac, ils mettaient le dieu qui servait. Et c'est comme ça que tu as Toutankhamon. Toutankhamon, c'est un des pharaons et il rappelle dans son nom qu'il est d'origine du dieu bélier, du dieu mouton, etc. Et c'est pour ça que t'imagines Momo, il va avec tous les Israélites et il commence à découper des béliers, t'as les Égyptiens, ils disent, mais ils sont en train de tuer nos dieux là. Et Moïse dit, si on fait ça, les Égyptiens vont nous lapider. En fait, Satan, quand il te dit de ne pas aller trop loin, le compromis du pas trop loin, c'est histoire t'en remettre une bonne rousse quand tu vas revenir. Tu penses que tu vas aller adorer Dieu, mais quand tu vas revenir du séminaire, ton niveau spirituel va prendre tellement une grosse claque que ça te dégoûtera jamais de refaire une expérience à fond avec Dieu. Et il t'attend en fait. Il a un seul but. Va louer un peu Dieu, mais à ton retour en voiture, tu vas avoir une embrouille que ça va te dégoûter de retourner louer Dieu. Et c'est comme ça que le premier deal... Heureusement, Moïse l'a refusé, mais n'empêche que pendant ce temps-là, ça l'a étiré un petit peu. Alors tu te dis, qu'est-ce qui va se passer la suite? Refuse le compromis du patron-là. Je veux que tu le mettes quand même. Tout le monde se le dit, tout le monde se le répète. Ne le dis pas à ton voisin, parce que c'est gênant, j'ai compris. Mais dis-le à toi, ok, je refuse le compromis du pas trop loin. Si Dieu veut me libérer, j'irai au bout. Je ne vais pas faire les choses à moitié, j'irai au bout. Si Dieu veut te libérer d'une substance, commence pas à dire... Non, mais je prends un tout petit peu d'alcool, mais je gère. Tu gères rien du tout. Tu gères rien du tout. Je parle à une personne qui a une addiction, tu vois. Si tu as une addiction et que tu sais que tu ne peux pas gérer, commence pas à dire, j'y vais, mais pas trop loin. Ça ne marche pas. Je regarde juste une petite vidéo et puis après j'arrête. Malheureux. Il le fait trop, 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 trop souvent. Allez, vous me dites, quelles sont les plaies que Moïse va ramener? Moïse va dire... Justement, il y a la peste,
Mais il va dire d'abord, je vais vous amener des temps, des bouches venimeuses. Dieu va augmenter la pression, la tension contre le pharaon, et Moïse est au milieu, et n'empêche que ça serre, ça tire, et tout, les plaies de Dieu. Parce que Dieu, il tire, hein, et la puissance de Dieu contre le pharaon, quand il a envie de mettre quelqu'un KO, Dieu, il est puissant. Hein. Il balance les temps, mouches venimeuses, la peste du bétail. Pharaon voit ses troupeaux qui commencent à mourir. Là, même les astrologues, les mages égyptiens, ils disent, là, on ne sait pas gérer, là. Là, Dieu, il est chaud, là. Mais Pharaon, il continue. Pharaon, il est le roi de cette terre. Et avant que tu arrives à le décoller, j'aime autant dire qu'à chaque fois, il redescend, quoi. Il te retire vers le bas. Alors, Dieu dit, ça t'a pas suffi. Je t'en ai envoyé 4. Allez, prends un 5e, là. Tu prends la peste. Tu veux pas le 5e, je te prends un 6e. Ça sera des ulcères. Tu as même les responsables de... T'imagines, tu es dans la maison du pharaon, dans le palais, ils ont commencé à avoir des boutons, là. Tu sais, des trucs de pu, là. Tu arrives le matin, tu te regardes dans la glace, et là, pout, pout. Tu dis, chérie, là, qu'est-ce que t'as fait, là? Commencé à mettre des ulcères de partout. Le pharaon dit, non. Alors Dieu dit, ok, j'augmente la dose. Ça sera une grêle qui va fracasser. Et tous ceux qui sont dehors, cramés. En fait, on se rend compte, pendant des années, je fais une petite aparté historique, c'est très intéressant l'histoire, parce que pendant des années, les personnes qui sont athées, ils ont dit, franchement, c'est une histoire d'enfant, l'histoire des plaies d'Égypte, c'est fait pour les dessins animés, mais en vrai, ça n'existe jamais. Et ils se sont rendus compte que, exactement à la date qui correspond, il y a le volcan, le Santorin, qui a explosé et qui a ravagé une grande partie de la Crète et de la Grèce. Ça a mis d'ailleurs quasiment KO la civilisation minoenne à ce moment-là. On est en moins 600 avant Jésus-Christ. Et la plupart des historiens aujourd'hui pensent que ce qui s'est passé en plaie d'Égypte sont liés à l'explosion de ce volcan. Et une des caractéristiques d'un volcan, à part le fait que ça crée un changement climatique, etc., entre les algues qui ont proliféré pour se transformer quasiment en couleur sang, et aujourd'hui c'est possible dans l'un, après ça crée du coup des moustiques, c'est logique, et les moustiques après ils créent de la peste, et c'est normal, après t'as des pus, tout est logique en fait. Dieu fait pas des choses bizarres, les miracles de Dieu, Dieu il utilise ce qu'il veut, il utilise les fleuves, il utilise les volcans, Dieu est Dieu, hein, il est Dieu, hein, et si le pharaon refuse, Dieu il le décolle jusqu'à ce qu'il soit prêt, hein. Sauf que toi t'es au milieu. Et je peux te dire, sur ta vie, il y a un combat comme ça. Hein. Et Dieu, il va utiliser tous les éléments pour te libérer. Mais Satan va faire tout ce qu'il peut pour te retenir. Et l'histoire de la grêle, on pense que c'est des nuages de cendres qui ont provoqué, et ça existe. À chaque fois qu'il y a des bouffées comme ça de cendres, ça provoque des changements climatiques et effectivement des grêlons, etc. Ça peut complètement expliquer ce qui s'est passé en Égypte. Enfin bref, ça a pété en Égypte. Et lorsque la grêle tombe, alors le pharaon commence à réfléchir et là... Il propose le deuxième deal. Allô Moïse, j'écoute. C'est quoi le deal du pharaon cette fois-ci? Allez servir l'Éternel, votre Dieu. Mais c'est qui sont ceux qui vont partir là? Qui sont ceux qui partiront? Ben, Moïse y répond, ben, tout le monde. Ben, je veux dire, ben, nous, nos enfants, nos vieillards, nos fils et nos filles. Alors c'est non. Pharaon dit, tu as le droit de partir, mais que les hommes. Que les hommes. Il y a des femmes et des enfants là dans la salle là? Vous êtes virés. Toi là devant ton écran, t'es un homme? Toi c'est ce que fait ce pharaon, il casse les familles en fait. Il essaye de... J'ai un mot pour toi. Si tu sens que Dieu veut te libérer, sois pas égoïste, embarque tous les tiens avec toi. Mets-toi sur tes genoux et tu dis, je partirai pas sans ma famille. Je parle à un homme qui à l'heure actuelle sent que le Saint-Esprit est en train de lui parler. Tu sais, depuis que tu regardes ce message, tu es en train de dire, Dieu, je veux prendre une décision dans ma vie, je veux faire un pacte avec Dieu, je veux tenir le bâton de Dieu, je veux monter avec Dieu. Ok, tu sais pas quoi? Tu montes pas tout seul. Si tu pars et si tu es libéré, si tu veux vivre une vraie vie de liberté, tu embarques toute ta famille avec toi. Et Moïse va dire, moi et ma famille, et ce que va dire Josué, nous servirons l'Éternel. Je ne laisserai personne derrière. On ne laisse pas les autres derrière. On embarque tout le monde. J'embarque mon fils de 14 ans, t'embarques ta fille de 17 ans, t'embarques la petite cousine. Tu leur dis, les amis, restez pas esclaves. Je vais vers un pays de liberté, restez pas dans l'esclavage. On embarque tout le monde. Il y a quelqu'un qui va embarquer tout le monde. Sois béni.
Bon, ben, par contre, plus tu as du monde avec toi, plus ça va tirer. Hein. Plus ça va tirer, et à ce moment-là, le pharaon, il refuse, ok. Alors, Moïse dit, ok, tu penses que c'était tendu avant ? Ben, c'est pire. Des ulcères, des sauterelles, une obscurité terrible en Égypte. Et c'est la sixième, la septième et la huitième plaie. Est-ce que c'est un nuage de cendre qui a fait une éclipse de soleil ? On ne sait pas. Mais pendant 3 jours, les Égyptiens, ils sont comme ça. Ils ne voient plus rien. Dieu les aveugle. Et à ce moment-là, selon son habitude, le pharaon propose son dernier deal, son dernier compromis. Alors j'écoute. Aller servir l'Éternel ? Même les enfants ? Ah ! Ok, ils pourront nous accompagner, d'accord. Mais le pharaon dit, seul votre petit et votre gros bétail restera. Ouais, c'est mieux quand même. Il a fait des efforts, le pharaon, quand même. Qui aurait accepté le deal, là ? J'ai le droit d'y aller ? Je peux amener ma famille ? Bon. Je laisse tous les biens matériels, ils restent dans ce monde. Ouais, pourquoi pas ? Mais qu'est-ce que tu vas apporter à l'Éternel, alors ? Vous voulez... Je peux être cash, je sens que ça va être un passage que tout le monde ne va pas aimer, mais tant pis. Les amis, j'en ai marre de cette mentalité des chrétiens français. Une mentalité... On n'est pas des esclaves, mais on est des pauvres dans notre tête. Et c'est-à-dire qu'on n'ose pas utiliser les biens matériels pour aller adorer Dieu. C'est comme si l'argent, on se dit, l'argent c'est que pour le monde, c'est sale. Moïse, il dit à Pharaon, « Eh oh, tu vas pas nous plumer, hein ? Moi je veux qu'il y ait des businessmen chrétiennes, des businesswomen, des businessmen, des personnes qui gagnent de l'argent. Je veux qu'il y ait des personnes dont l'ambition c'est de dire, « Eh, je veux un bon taf, je vais pas laisser tout, je vais pouvoir être propriétaire, je vais faire des... » Mais pourquoi pas ? Non, faut... du moment que tu es au chômage, c'est bon, tu peux être chrétienne. Mais arrête ! C'est à chaque fois que tu as les offrandes, tu es là. Dieu, je t'ai déjà donné mon tout, alors j'ai pas d'argent, donc je te donne rien. Mais... vous savez pourquoi Dieu bénit aussi les États-Unis et tout ça ? Ils ont un cœur de générosité, ils ont compris des trucs dans la générosité. J'ai l'impression que nous, les Français, on a laissé tout en Égypte, nous. On arrive à l'église, on dit, « Eh, Seigneur, étudiant, 17 ans, hein, qu'est-ce que tu veux, il n'y a rien. » T'as pas 17 ans, t'as 38 ans. Arrête ! Tu donnes encore autant que quand t'avais 17 ans, d'accord ? Mais t'as 38 ans aujourd'hui. Vous voyez, il y a un moment où il nous a plumé, le pharaon. Et Moïse, il dit non. Il dit, comment ça tu vas garder mes brebis, mes troupeaux, etc. Mais non ! Tous les dons que Dieu m'a donnés, moi je les amène pour le service de Dieu. On va pas aller dans le désert et se retrouver comme des guignols où on n'a rien. On va encore finir dans une cave. Non, on veut un beau truc pour Dieu. Pardon, là c'est en live, mais il y en a qui disaient, Melka, est-ce que c'est pas du bling-bling, etc. Mais pourquoi tout ce qui est beau, ça serait pour le monde, et pourquoi nos églises, ça serait juste des trucs moches ? Mais non ! Mais non ! Mais non ! Moi, je veux que mon fils, quand il revient de l'école et qu'il est au collège, il dit « Eh, ma église, elle claque et tout !»« Bah ouais, c'est de l'orgueil, je m'en fous, il vient !» Il y a un moment où je veux que nos enfants, ils soient fiers de dire « Eh, on peut louer Dieu avec des belles choses !» Et cette mentalité-là, non, c'est pas la mentalité du monde. Parce que c'est pas pour le monde qu'on fait ça. C'est parce qu'on veut louer Dieu. C'est parce qu'on veut célébrer les merveilles de Dieu. Parce qu'on croit que Dieu est le grand vainqueur qui mérite le meilleur. Et j'ai pas à m'excuser. J'ai pas à m'excuser. En plus, Moïse, il est gonflé. Hein, parce qu'il dit au Pharaon, tu sais Pharaon, au final, en fait, non seulement on va tout embarquer, mais en plus c'est toi qui vas payer. Non, c'est vrai. Hein. Et je me dis, il est juif quand même, tu sais, au sens de bon commerçant, clac, 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 comment il négocie. Tac, là, là, Pharaon, ramène, tu payes. Ils ont raison, les juifs, là. Oh ! Moi, je suis greffé au peuple de Dieu, je suis un peu juif aussi. Et t'embarques tout. Et il dit, c'est toi qui payes. Tu sais, la régalade là, qu'on va faire pour Dieu, là, les sacrifices, c'est toi qui vas payer. Vous êtes toujours là, vous n'avez pas éteint, merci. Je vais te dire un truc. Moi, j'ai découvert que quand je donne... Pardonnez-moi, c'est très concret, mais bon, la Bible, c'est toujours concret. Quand je donne, je parle pour les Français, ceux qui payent l'impôt sur le revenu. Tu veux payer des impôts ? Est-ce que quelqu'un veut payer des impôts ?
Si vous dites non, c'est que vous n'avez rien compris. Oui, il faut payer des impôts. Parce que si tu payes des impôts, c'est que tu as un peu d'argent. Tu dis non, je ne veux pas payer d'impôts, je préfère rester pauvre. Sois riche. Paye des impôts. Mais comme quand tu vas payer des impôts, il y a un truc où le pharaon, il peut te faire du... Quand tu donnes 100 euros à une église sérieuse, ben pour une fois que l'État français est cool, il dit que 66% de ce que tu donnes dans une église est déduit de tes impôts l'année prochaine. Sois intelligent. Si c'est le pharaon qui paye le banquet, ben tu prends. Non, mais non, je ne les fais pas donner. Ma main droite ne sache pas ce que me donne ma main gauche. Et tu n'as rien compris au texte, là. Je peux dire, là, vas-y, donne avec générosité. Et tant mieux si c'est le pharaon au final qui paye une partie. Hein. Quand tu fais jeveuxdonner.fr, que tu donnes à l'église Amelka, tu as 2/3 pour ceux qui payent l'impôt sur le revenu qui est remboursé l'année prochaine. Faites-le ! Punaise, de toute façon, vous les payerez. Alors payez-les pour des choses intéressantes. Payez pour le salut de vos enfants. Et si vous n'avez pas d'enfants, pour le salut de votre cousine. Et si vous n'avez pas de cousine, pour le salut de quelqu'un à l'autre bout du monde. Mais investissez pour des choses qui valent la peine. Bon, c'était mon... Voilà, je me suis un peu enflammé, je reviens. Pardonnez-moi. Moment d'émotion, comme ça, ça part, après on revient. Non, mais c'est vrai quand même. C'est vrai sur le fond. Réussissez votre vie, et si Dieu vous donne de la richesse, utilisez-la bien. Parce que ça, Pharaon, là, il veut que tu partes misérable. Alors je vous quitte avec ce point très important des stratégies de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour ta vie? Regardez ici, qu'est-ce que Dieu veut pour ta vie? Dieu, il te veut libre. Non, non, il ne te veut pas un peu libre. Il ne te veut pas moyennement libre. Il ne te veut même pas beaucoup libre. Il te veut complètement libre. Mais ça, il faut casser parce que tu en as encore. Ah, tu dis, mais je ne suis pas complètement libre, je suis presque... Ben, en attendant, Dieu dit, ok, tu sais pas quoi? Je permets cette tension sur ta vie parce que si jamais... je te libérais sans que tu aies aucune tension, tu croirais que ça vient de tes propres forces. Tu sais, des fois, j'ai demandé à Dieu de me délivrer. J'ai dit, Dieu, j'en peux plus de ce lien dans ma vie. Peut-être quelqu'un est bouffé par la culpabilité. Peut-être quelqu'un est bouffé par la dépression. Quelqu'un est bouffé par une addiction. Et tu dis, Dieu, j'en peux plus. J'en peux plus. Délivre-moi. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur et il m'a dit, ma grâce te suffit. Amen. Ça ne veut pas dire qu'à la fin, tu vas finir encore esclave. Ça veut dire que Dieu est en train de faire un exercice de musculation avec ta vie. Parce qu'à chaque fois, tu vois là, mes muscles là, eh ben, il n'y en a pas beaucoup, ben, tout d'un coup, ça sort. Dieu, il veut faire sortir tes muscles de la foi. Et si jamais, des fois, il te libère trop vite, tu vas faire la petite gazelle, avec un cerveau de gazelle, en pensant que c'est grâce à tes forces que tu échappes au lion. Mais non, mes amis, c'est parce que l'Éternel a décidé de te mettre en sécurité et de te rendre libre. Mes amis, je vais prendre un fil pour que vous compreniez. Tu vois, qu'est-ce qui se passe lorsque, dans ta vie, Dieu te tend? Il te tend. Est-ce que tu vois ce qui se passe à la fin? C'est pour te propulser. La tension aujourd'hui détermine ta propulsion de demain. Dieu est en train de te faire les muscles. Arrête de dire « Seigneur, j'en ai vu, j'ai nul ». Dieu est en train de permettre qu'il y ait une tension aujourd'hui afin de te propulser demain. Ce que Dieu est en train de faire, c'est qu'il est en train d'augmenter la tension pour ta propulsion. Des fois, j'ai demandé à Dieu, pourquoi tu permets ça dans ma vie? Pourquoi tu ne me délivres pas tout de suite? Est-ce qu'on peut être vrai un instant? Qui c'est qui n'a aucun lien? Quelqu'un qui peut dire, ni la convoitise de la chair, ni la convoitise des yeux, ni l'orgueil de la vie, moi je suis nickel. Mes amis, on a tous 1, 2, 3, 4, je ne sais pas combien, 6. Et j'ai supplié Dieu. Et ce que j'apprends, c'est que Dieu permet aussi que pendant un certain temps, je sois en train de lutter pour m'éviter de devenir imbuvable.
Je pense que en tant que pasteur, si j'avais aucun problème, je serais juste pénible, les amis. Parce que je serais moqueur. Parce que je serais hautain. Parce que je vous regarderai d'en haut et je dis encore une personne qui rame. Hein. De toute manière, hein, elle n'a pas la foi. Et comme je connais mes propres difficultés et mes propres tensions, et ben du coup, je suis capable de comprendre ce que toi tu vis, 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 ce que toi tu vis. Parce qu'on les vit tous, mes amis. Et je pense que Moïse, ce soir-là, il rentre dans sa maison avec son frère, et ça fait déjà quand même neuf plaies, neuf moments de tension. Alors, avec son bâton et avec les Hébreux qui sont esclaves, c'est la nuit, il rentre vers sa maison. Et là, il leur dit, mes amis, Dieu est sur le point d'intervenir comme il n'a jamais intervenu. La tension qui va se passer cette nuit ne ressemble à aucune des tensions précédentes. On est à la dixième plaie. Il dit, là, ça va être tellement fort que quelqu'un va craquer. Et ça sera le pharaon. Est-ce que quelqu'un est en train de ressentir cette tension? Écoute bien ce que je te dis. Le pharaon est sur le point de lâcher. Le pharaon qui te tient esclave depuis tant d'années, depuis 430 ans, ils sont esclaves. Mais cette nuit-là, des petits-enfants et des petites filles dans les maisons préparent l'agneau de Pâques et commencent à chanter des chants en hébreu où ils disent « La foi en Dieu, la confiance en Dieu peut faire des miracles. » Ils sont en train de réaliser que par la foi, ils sont sur le point de faire le voyage vers la liberté. Je te propose maintenant de juste de fermer tes yeux et d'écouter ce chant qui résonne dans les maisons des anciens esclaves qui sont sur le point d'être libres. Nous avons tant prié sans savoir qu'il nous entendrait dans nos cœurs un chant d'espoir sans oser trop y croire. Plus rien ne nous effraie, bien qu'il y ait tant à redouter. On déplaçait des montagnes sans savoir qu'on le pouvait. On peut faire des miracles avec la foi. Gardons espoir, il faut y croire. Thank you.
Est-ce que quelqu'un vit cette tension en cet instant? Toi qui es devant ton écran ou quelqu'un dans la salle, et je te demande juste une chose. Je sais que tu es encore lié, mais je vais te demander de t'accrocher au bâton de Dieu et te lever à ta place. Et on va reprendre ce chant comme une prière. Et pendant ce chant, vous allez dire, Seigneur, j'accepte qu'il y ait de la tension dans ma vie. Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant. Si tu sens que tu as envie de faire cette prière, s'il y a encore un lien de trop dans ta vie, tu dis, Dieu, j'accepte cette tension dans ma vie. J'accepte jusqu'à ce que ce soit le pharaon qui craque. Alléluia. On reprend cette prière ensemble. Nous avons tant prié sans savoir qu'il nous entendrait. Dans nos cœurs, un chant d'espoir sans oser trop y croire. Plus rien ne nous effraie, bien qu'il y ait tant à redouter. On déplaçait des montagnes sans savoir qu'on le pouvait. On peut faire des Alors, ce que toi tu peux pas faire, Dieu peut le faire. Ce que je ne peux pas faire, Dieu peut le faire. Ce jour-là, Moïse était au maximum de la tension parce qu'il sait que là, Dieu a fait mal. Le pharaon vient de perdre son fils et le pharaon est en fureur. Et Satan est en fureur parce qu'il sait qu'il est sur le point de te lâcher. Est-ce que quelqu'un veut saisir cette parole? Peut-être quelqu'un. Ce qui te lien, ce lien que tu as dans ta vie, que Dieu veut casser aujourd'hui, c'est cette dépendance à un produit. Et Dieu dit, écoute, ma fille, mon fils, je veux plus que tu sois sous cette chaîne, je la retire pour toi. Peut-être il y a quelqu'un qui se dit, là, c'est mon dernier jour où j'aurai honte de ce que je regarde. Je crois que Dieu est le Dieu qui me libère. Peut-être il y a quelqu'un qui dit, oh, aujourd'hui c'est ma dernière journée. Où je vis dans la dépression et dans l'angoisse, Dieu me libère. Peut-être il y a quelqu'un qui dit, je ne serai plus esclave de mes folies, de mes phobies, de mes stress, de mes peurs, un jour de plus. Et quelqu'un qui dit, je crois que Dieu peut faire pour moi des choses merveilleuses. Il est le Dieu qui me libère de tout ce qui domine dans ma vie. Et aujourd'hui, alléluia, c'est ma dernière chaîne. Je ne sais pas pour qui quelqu'un se dit, aujourd'hui c'est ma dernière chaîne, au nom de Jésus,
Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Regardez. Regardez. Le bâton de Dieu, c'est la croix. À la croix, il a brisé toutes les puissances et toutes les autorités. Il les a livrées en spectacle. Il a triomphé d'elles. Le pharaon n'a pas peur de toi. Le pharaon a peur de la croix. Parce qu'à la croix, Jésus a dit, non seulement elle est devenue ma fille et mon fils, ils ont ma capacité. Parce qu'ils sont pardonnés. Parce qu'ils sont libérés. Écoute, 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 écoute. Maintenant, il te reste une chose à faire. Dieu te dit une chose. Tu prends tes anciens fers là. Tu prends ce qui te tenait lié. Et tu dis au pharaon, bye bye. Bye bye. Wow. Laisse-moi te dire une chose. Laisse-moi te dire une chose avant qu'on parte. Tu sais, quand tu n'as plus tes fers aux pieds, tu fais ça là. Vas-y, fais ça. Toi qui es devant ton écran, fais ça. Tu te sens léger de légère d'un coup. Tu n'as plus les fers. Ça ne te tient plus. Et tu sais ce qui se passe dans ces cas-là? Tu commences à dire, mais je veux danser. Mais je veux louer. Mais je veux louer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut danser? Non, aïe, aïe, aïe. Bon. Attends, 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 attends. On peut faire une dinguerie. Alors, pour tous ceux qui n'avaient aucune chaîne, qui n'ont aucun problème, restez tranquille à votre place. Tant mieux, vous êtes libre depuis longtemps. Mais moi, je parle à quelqu'un qui dit, aujourd'hui, je saisis que Dieu me libère d'une de mes chaînes. Alors, peu importe ce que tu vas penser et comment tu vas me juger, je vais danser. Alors, tu vas dans les allées, là, et tu regardes pas les autres. Allez, vas-y, lance-moi ça. Je veux chanter, danser, louer, peu importe. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le récit. Son nom est Jésus. Je suis libre.
vous devriez avoir peur. C'est ce que Satan voulait vous dire. Et moi, je vous dis, n'ayez pas peur. Et pour cela, je suis étonné, mais c'est fou comme on est encore bloqué dans nos têtes. Vous savez que je vous avais dit quelque chose tout à l'heure. Je vous avais dit que si vous étiez libre, vous aviez le droit d'aller dans les allées. Il y en a un qui est libre. Et non, non, c'est très intéressant. Parce qu'en fait, on a du mal à vraiment le croire. Alors je vais vous donner une dernière chance. Parce que Satan t'a tenu trop longtemps et les armes forgées, elles sont nulles et sans effet. Alors t'as le droit de bouger. Pas pour vous, mais j'ai l'impression qu'ici, Satan a perdu du monde. Parce qu'il y a quelques-uns qui veulent proclamer que ni la mort, ni la vie, ni rien ne pourra les séparer de l'amour de Dieu. Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi devant ton écran, mais je voudrais juste vous dire une chose, parce qu'on se quitte, parce qu'en fait, on doit bien terminer quand même à un moment, c'est frustrant, mais on va falloir terminer. Si jamais tu décroches pas, ce soir, si ton téléphone sonne et si Satan te dit « Ah, t'avais fait qu'un petit tour et tout ça », tu dis « Je suis libre, fous-moi la paix, fous-moi la paix, fous-moi la paix, fous-moi la paix. Je suis né de Dieu, je suis né pour influencer et je partirai avec ma famille, je partirai avec... et j'irai loin, j'irai avec ma famille et j'embarquerai tous mes moyens pour Dieu. Alléluia. Alléluia. » Merci à chacune et à chacun qui permet
qui permettait que cette aventure MLK puisse aller aussi plus loin. Merci pour vos dons, merci pour votre soutien. Vous investissez pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous rende au centuple ce que vous faites. Si vous avez besoin de prière, arrêtez de prier, commencez à louer. Aujourd'hui, on ne va pas prier. Je ne dis pas de façon générale. Je dis qu'il y a des temps pour louer, il y a des temps pour prier, et aujourd'hui, c'est un temps pour louer. Donc, on ne va pas faire de prière devant. Pardonnez-moi les amis, pardonnez-moi l'équipe. En fait, je ne vais pas vous demander d'écrire simplement des prières de supplication à prière@eglisemlk.fr. Je veux que vous écriviez des mots de liberté. La liberté que Dieu... Cette chaîne est tombée, arrobas. Alléluia. Amen. Allez, que Dieu vous bénisse. On va ouvrir les portes. Et comme dirait Moïse à Pharaon, let my people go. Repartez chez vous et louez Dieu. Et louez Dieu. Cette vidéo t'a parlé ? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.